Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici repartis ensemble dans l'aventure faraminesque, faramineuse, ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave parce que nous avons en notre compagnie Zebalkia. Salut Zebalkia. Salut. Voilà, j'ai dû changer l'intro, désolé. Ah bah oui, malheureusement. Mes intros, c'est 100% original, je ne peux pas faire deux fois la même chose. Mais ils l'ont pas entendu la dernière, en tout cas. Je m'en fous, ils le sauront. Nous avons essayé d'enregistrer, et à cause de ça, une intro originale venue de ma pensée est partie en fumée. Ouais, on a été obligé de jeter une intro, ça c'est dommage. Ouais, je te le pardonnerai pas. Franchement, là... Bah, excuse-moi hein, de pas... Excuse-moi que tu n'aies pas réussi à rejoindre toi la partie. Ça. Excuse-moi que monsieur ne sache pas comment faire pour enlever son mode en ligne de Steam. Mais non, mais ça c'est complètement con, c'est complètement con, j'ai pas trouvé comment me connecter depuis Steam, quoi, c'est... Voilà, le mec ne sait pas... C'est que seulement rester hors ligne sur Steam, hein. Oui, c'est ça, oui. Le mode connecté, bah, non, c'est pas toutes pour les lui. Toutes les personnes qui se seront servies une fois de ce mode big picture là de Steam sauront à quel point c'est de la saloperie, donc... Bon, sans plus tarder, commençons. Ouais, on va reprendre. Petite précision, on l'avait quand même dit sur l'essai d'avant, mais vu que il a foiré à cause de quelqu'un, important de le redire, que ça fait très longtemps que pour ma part, en tout cas, j'ai pas joué à Don't Starve. Ouais. Donc ça va être très très chaud pour moi. Ben, ça va être dur. Ouais, ça doit faire 2 mois, je crois. Ouais. Bah ouais, ça doit faire à peu près ça. Bah avant la période des examens où on n'a pas pu rejouer, puis. Voilà. Waouh. Le son du jeu, peut-être que je vais devoir le régler. Alors, bah, je crois que la dernière fois, si je me trompe pas, on avait dit qu'on explorerait un petit peu les alentours. Je crois, ouais. Parce que là, maintenant, on avait commencé à bien monter le camp, on avait commencé à faire de bonnes fermes, et ainsi de suite. Mais maintenant, ce qu'il nous fallait, c'était peut-être un peu plus de ressources en tout genre. Oui. Alors, on va... Et on avait dit qu'on partirait ensemble, non? Bah, du coup, oui, bah oui, c'est plus intéressant si on part ensemble. C'est plus fun. Comme ça, s'il y a un ou deux qui se fait tuer par une mouche dragon mutant, c'est ton jamais. Ouais. Par pur hasard. On sait jamais, ça arrive parfois. L'autre hein, ça pourra peut... voir. Et peut-être y passer par la même occasion, mais ça, c'est un peu. C'est exactement ça, ouais. T'as de la bouffe ou de quoi survivre un petit peu en mode exploration Alors là, pour l'instant, devant moi, j'ai un magnifique écran de chargement. Quoi? Mais t'es sur la partie là, t'es devant moi là. Oh, t'es sérieux? Du coup, tu veux. Ouais. Ah bah, ça a bugué. Bon bah. On va jamais arriver. Ok, Don't Starve ne répond pas. Parce que toi, t'es. Parce que là, t'es sur la partie là, hein. Il est là, ton père, il est en train de se plaindre qu'il a faim d'ailleurs. Ok, ben. Moi, j'avais le magnifique écran de téléportation. Bah, attends, je vais revenir. Non, mais de toute manière, à chaque épisode, je te dis, l'épisode il commence à 16 minutes. Ouais, non, c'est exactement ça. On perd toujours 5 minutes à réussir à setup le truc. C'est incroyable comme c'est mal foutu. Ouais, c'est très instable. Bon, alors... c'est encore en bêta, hein, mais. Ouais, mais quand même, depuis le temps. Enfin, mon jeu il est en bêta depuis 10 ans. Ça veut. Enfin, je sais pas, et au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on fait, quoi. Ouais, non, c'est vrai que. Bon, là j'essaye de me reconnecter. En fait, ce qui serait génial, c'est que je meure pendant que j'ai l'écran de connexion quand même. Oui, c'est vrai que ça. Bah, c'est ce que. Bah, en tout cas, ton perso il a faim là donc. Ouais, ben. Malheureusement, je peux pas c'est faire grand risque. Chose. C'est un risque. Bon, alors, le serveur ne répond pas. Crying, yelling louder. C'est-à-dire quoi, yelling louder? Essayez blabla plus fort, je sais pas. Bah, attends, alors je vais quitter et puis on refait une ellipse ou. Bah, tant qu'on. Non, mais je. La dernière fois, on avait fait comment? Bah, j'avais quitté et relancé. Oh, t'es sérieux? Bah, du coup, Attends, deux secondes. Je réessaye de revenir une fois. Et si ça ne marche pas, on est d'accord, on fait une ellipse. Là, ça a l'air se connecter. Ah, parfait. Oui, mais attends, parfait. Bon. J'ai l'écran de chargement. Mais t'es ça. T'es apparu sur la carte. Hein? T'es à côté de moi, là. Ouais. Bah, le jeu a encore. Planté. Ah, puis y'a les monstres qui arrivent. Ouais, bah, attends, je me déco comme ça. Bon, on refait une ellipse déco, parce que franchement, j'y comprends plus rien. Bienvenue sur le Let's Play de Vlagamer et Zepalkia. Apprenez à vous connecter sur Don't Starve Together pendant 10 minutes. Alors, première étape. C'est bon? Puis maintenant, il met un message comme quoi, attention, il n'y a plus de mods, donc ça peut poser des problèmes. Ben, à côté, oui, enfin, c'est logique, quoi. Parce donc, quand il que... y a des mods, il y a des problèmes. Quand il n'y a pas de mods, il y a des problèmes. C'est en gros, est-ce qu'il n'y en a pas, quoi. Ouais, non, mais vu que la partie originale était considérée avec des mods, maintenant, les enlever. Alors... Attention, ça loading. Oh. Suspense. Oh, c'est bon, je suis connecté. Ça a marché? Ouais. Tu peux jouer là? Ouais. Tu peux remettre le chrono? Ouais. Bah, prends une arme parce qu'il y a les monstres qui approchent. Comment je fais? Comment je fais pour m'en équiper? Bah, ouais, voilà, comme ça, ouais. Ok. Ils sont où les monstres?
Bah il devrait pas tarder à arriver donc. Ah par contre j'ai putain de faim hein. Ouais t'as rien à manger? C'est quoi pour manger? Tiens. Ah merci. Merci, tu me sauves la vie. Et ma santé mentale commence à être sacrément intéressante. Ouais. Et comment tu sais qu'il y a des monstres qui vont nous attaquer? Parce qu'on les entend, parce que depuis tout à l'heure que tu essayes de te connecter, les persos étaient pas de le dire. Ah c'est ce que j'entends, t'as lancé la vidéo? Oui, j'ai relancé. Ouais. Bonjour les amis, on joue enfin, c'est génial. Ouais, ça a juste mis 25 minutes, ouais. Et puis on a dû désactiver tous les mods, tout, on a tout désactivé. Donc on a sinon ça prenait plus que 8 Go de RAM apparemment. Donc, On est à poil. Non, voilà. C'est incroyable, hein. C'est vraiment de la merde. Hein. Et sans vouloir abuser, hein, bien entendu. Ah oui, non, mais c'est optimisé avec les pieds. Mais déjà rien que le jeu de base, quand je le lance, il faut à chaque fois que j'attende entre 2 et 3 vraies minutes. J'ai de la viande, mais je sais pas si elle est cuite, comment on fait pour savoir si elle est cuite? Non, tiens, je te le mets là. Est-ce qu'elle est cuite la viande là? Elle est consommable cette viande là ou pas? Bah, je peux pas regarder tant que tu actives le truc. Non, celle-là elle est pas cuite. Ok, j'en ai deux comme ça. Bah, alors remets-en une autre et puis comme ça tu peux te cuire un truc là. Et tu veux pas mettre un autre légume plutôt? Moi j'ai pas d'autres légumes pour l'instant. Ah putain, les cochons ils peuvent pas se la fermer un peu là? On a compris qu'on va être attaqué, c'est bon, stop! C'est ce bruit super désagréable, on est d'accord. J'ai vraiment l'impression que la ruche elle bug aussi. La ruche? Ah oui, faut savoir, vu qu'on a. Vu qu'on a désactivé les mods. Ah, on va à droite, on va à droite! Ouais. Voilà, vu qu'on a désactivé les mods. Et bah maintenant ils nous ont dit aussi que ça pouvait causer des problèmes, vu que de base sur la partie bah base oui. On avait des mods. C'est comment gros, pour attaquer? Droite? Ouais, ou alors le bouton F sur le clavier. Ah F? Soit tu cliques sur le monstre, soit tu fais t'appuies sur F et puis. Ah, ça fait du bien aux oreilles. Ah mon dieu. Mais non, parce que en gros c'est ça qu'il faut savoir, c'est que si vous jouez à Don't Starve Together avec des mods, ça pose des problèmes, et si vous jouez sans mods, ça pose des problèmes. Donc. Je plante des graines sur les 4. Oui, trucs, bonne idée. Bah tiens, j'en mets par terre là, tu peux les ramasser. Ok, bah je les prends. Oh, y a un lapinou. C'est quoi ces machins là, des Pukipnitres? Ça c'est comme c'est du soufre en fait, c'est Bah ah. Oui, parce que du coup on a aussi désactivé le celui qui traduit en français. Donc maintenant on va apprendre, en plus d'apprendre à jouer dans Star Forever ensemble, nous allons apprendre à parler anglais. Ouais. It is génial. Merci beaucoup aux programmeurs pour avoir proposé un jeu aussi stable, aussi bien fichu. J'avoue. Alors pourtant, c'est pas comme si le jeu était foutu, enfin vraiment bien célèbre, etc. Tu veux vraiment couper ces arbres là? Bah oui, là ils sont au max. D'accord. Oh bah go alors. Par contre, du coup, ce que je propose, c'est que ouais, voilà, on prépare 2-3 trucs et puis du coup, on va se balader. Vu que c'était ça à la base, le but, on va se balader demain. Se balader à quoi? Le but, c'était pas de commencer à partir de 16 minutes de jeu. Non, ça fait même pas 10 minutes et on peut enfin jouer, c'est magnifique. Donc, et on replante par contre, je suppose. Ouais, c'est mieux comme ça, on en a toujours. T'as une pelle, non, je crois? Oui, j'ai une pelle. Du coup, tu peux déraciner les souches pour gagner du bois. Ah bon? Ça se déracine, ouais. Ça. Oh, c'est trop logique. T'as vu? Ah, si dans la vraie vie, il y avait juste besoin d'une pelle pour déraciner des arbres, ce serait tellement cool. Ah bah oui, ça serait pratique. Ah oui, ça nous fait du... D'accord, c'est gratos. Merci pour les bûches. Hein. Tous les jours de la semaine. Hein. Et c'est quoi les... T'as les... Ouais, les graines pour replanter les arbres. Ça s'appelle comment? Ça dépend. Bah, ça ressemble à des graines, en fait. Oui, d'accord. Oui, j'ai vu. Ouais. Les piafs, ils peuvent nous bouffer les graines ou pas? Qui sont par terre, oui. Les graines de récolte. Après, les graines d'arbres, je crois pas. Ok. Et par contre, normalement, faut pas y mettre trop proche les arbres les uns des autres, non? Parce ça que change si, pas grand chose. Sauf si, ouais, voilà, s'il y a la foudre qui tombe dessus. Si et par, puis du coup, y a tout qui prend feu, bah. Si par la plus grande des malchances. C'est. Oh punaise. Ah! Mais du feu! J'ai failli y passer. Ma santé mentale par contre elle y est passée hein. Ah oui bon ça c'est un risque mais Je mange des pétales. Oh, oui, ah bah oui pétales. Bonne idée ouais. Non. Bon donc du coup est-ce qu'on est enfin prêt pour pouvoir à peu près aller se balader demain? Du fuel je crois qu'on a à peu près ouais. On a pas beaucoup de bouffe mais oui. Niveau nourriture je suis déjà à 38. J'ai deux trucs en fait de... Tu sais les meatballs, donc les boulettes de viande, j'en ai deux. Et oui, vive la traduction bien entendu. Hein.
Elle était parfaite celle-là. Ah bah oui, n'est-ce pas? On a senti l'âme du futur traducteur. Oh, toi, dégage. Pourquoi il veut pas partir? Oui. T'as vu, il y a des belles là, hein, aussi. Ouais, 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 c'est nos... Bah, c'est nos... Tu te souviens les fameux buissons qu'on a plantés Oui, oui, avec les... Quoi, voilà, comment ça s'appelle? Les poules, là, c'est des dindes. Des dindons, ouais, c'est des dindons, ouais, c'est... Ah non, 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 non. Oh, je deviens fou. T'as 50... Mais la vache, ça descend vite, la santé mentale. Ouais, oui, mais ça, c'est la joie de ce jeu, aussi. It's a Play Gamer. Attends, comment t'as fait? Comment tu fais? En te cliquant dessus. Salut. Oh, c'est Surt. Oh, c'est Play Gamer. Quel dialogue, oh, magnifique. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse avec ça. Par contre, j'ai 18 graines, je vais les mettre dans le coffre. Parce que ça, j'ai pas besoin de les prendre au cas où si je meurs, je sais ouais, pas. Ouais, effectivement, ouais. Pareil, du bois. Bon, du bois, faudrait quand même en garder, peut-être. Oui, oui, ça, il y en aura besoin pour des feux de camp, si on s'éloigne beaucoup. Log de 1 égale 0. Waouh, merci les maths. Par contre, comment on fait pour prendre qu'une partie du bois? Avec shift, avec contrôle, pardon. Oh, c'est cool, on prend que la moitié comme ça. Donc j'ai pris la moitié de bois, j'ai un peu des graines. Okay. Là, on peut prendre encore. On y j'ai va. Deux boulettes de viande. Par contre, niveau bouffe, je vais devoir en manger une. Ouais, moi aussi, je vais beaucoup, juste mettre un piège à lapin. Voilà, ici. Oh, un raton laveur. Tu peux le tuer là, non? Ça fait la viande. Non? Ouais, mais je peux aussi. Ouais, non, ça marche pas, ok, d'accord. Tu peux le dresser, non? Ouais, j'essayais, mais ça marche pas, donc bon. Alors, la carte, c'est quoi? C'est M? Oh, la logique. Ouais. Donc, ah oui, je crois qu'en bas à droite, on avait trouvé des trucs super intéressants, non? Ouais, il me semble que tu m'avais dit qu'il y avait des trucs intéressants, donc on pouvait y aller. Il y avait tout ce qui était pierre, peut-être précieuse, et ainsi de suite. Voilà, ouais. Oh, j'ai un monster lasagne, je peux... Ah, par contre, je dois pas y manger, ça. Si, si, bah justement, ça, c'est la bouffe que toi, tu peux manger sans malus, alors que moi, ça me fait des malus. That was not food, ce n'était pas la nourriture humaine. Non, 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 mais... Moi, c'est pas ça, hein. De souvenir, c'est pas que je peux manger de la nourriture de monstre, c'est plutôt je peux manger de la nourriture périmée, je crois. Ah bon? Oui, oui, oui. En fait, j'avais regardé de souvenir, et c'est que je peux pas... Enfin, je suis soumis aux mêmes conditions que toi pour la nourriture de monstre. D'accord, ouais, ok. Donc finalement, j'ai pas tant d'avantages que ça, tu me diras, mais... pourquoi on va à gauche, là? Bah, je sais pas, c'est... Toi, je sais pas, c'est... Là, sur la carte, je vois qu'il y a que c'est le seul endroit où on a pas été encore, donc... Tu sais ce que j'ai rencontré par pur hasard, là-bas? Non, Ah, c'est là-bas que t'as eu ta mouche. Oui. Mais j'en sais rien, moi, je sais pas où tu veux qu'on aille, on est en train de... Bah viens, alors, suis-moi. Ouais, je te suis. Sachant que j'ai déjà bientôt plus de... Tu veux tuer l'abeille? Non, 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 Y'a plein d'abeilles. Par contre, la nôtre, elle a l'air d'être buggée aussi, Oh, y'a des cochons, y'a le village des cochons. Ah oui, ouais, ça c'est les cochons qui nous attaquent, ça. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Donc nous, on reste sur la route. Donc faudra penser... T'as de quoi faire un feu de camp? Oui, oui, ça, je dois avoir. Moi j'ai 11 de bois au cas où. Hein. Oui, j'ai. Donc là, moi ce que je veux, c'est quand. On va se diriger plus là-bas. Donc des. Oh, des graines. Je veux les graines, donnez-moi toutes les graines de votre âme. Elles sont délicieuses, je les dévore. Oh, il y a un wall to. Examine boulder, c'est quoi? C'est un rocher précieux, non? Ouais, c'est de la roche, quoi. C'est... Ah non, c'est pas les. C'est pas les. D'or. Oh, c'est quoi? C'est de la glace. Ah oui, c'est on a vu glace, la glace. Ouais. Tu veux de la glace ou pas? Bah pour l'instant on a pas de frigo donc on a pas trop de quoi la garder. Tu sais qu'en santé mentale au départ de la partie j'étais à 55, là je suis à 33 hein. Après je dis ça, je dis rien hein. Ouais non mais ça c'est le problème ça c'est dans ce jeu, c'est toujours comme ça la santé mentale c'est... Je vais prendre des fleurs hein. Mais les fleurs c'est bien censé nous redonner de la santé mentale non? De les ramasser oui. Ah de les ramasser, oh j'ai une carotte. Oh ça c'est cool. C'est quoi ce machin là les... What? C'était quoi ces machins? Stal Red Cap? C'est quoi? C'est de la viande? Non, c'est des champignons. Oh, on va dans le trou? Bah si tu veux, oui, on peut, mais... Ah! Regarde, là, il y a un rocher, il y, y a un truc d'araignée, tu veux le faire? Bah je sais pas si t'as envie de te battre oui, vraiment maintenant. Ouais, je vois ça, on peut aller les ramasser. Moi j'ai plus de place dans mon inventaire, donc... Moi j'en ai, hein. Un petit peu. Par contre, tu peux tuer le crapaud pour moi? Ouais. Attends, ah zut, mais... Bon, en tout cas, occupe-le, histoire qu'il reste de moi, moi je récupère les baies. Je récupère aussi les carottes. Ah, les carottes qui... Non mais genre, les carottes qui se cachent vraiment pile où il faut pas, quoi. Juste derrière l'arbre. Tu peux pas déraciner les buissons par hasard, t'as pas la place pour faire ça? Ah, tu veux que je les... Ça prend un de place ou pas?
Je sais plus. C'est quoi le machin? J'entends une abeille. À droite, c'est quoi? Ça doit être une mouche. Je sais pas ce que c'est, mais je pense pas que ce soit gentil, donc. Ça fait. Attends, alors déjà, tu m'en veux pas, mais je vais prendre ma foutue. Elle est où ma. Aïe! Elle est là. Voilà. Par contre, ça. Elle est méchante, la mouche. Oui, bah oui, elle est en train de m'attaquer. En fait, c'est un moustique, je crois. Bah, d'un côté, tu m'étonnes, c'est pas comme si on était à côté d'un marais. Attends, déjà du bois, je prends du bois. Par contre, j'ai pas beaucoup de. Attends, je commence des fosses. Je vais me déposer de flint là. Voilà. Ah, bah ouais, parce que moi j'ai. Je vais prendre la pelle. À la limite, il faudrait qu'on se comporte des. Oh, regarde en haut! Regarde quoi? Le machin qu'il y a tout en haut! Il y a les mouches qui affrontent, je sais pas, une sorte de créature avec des tentacules. Ah oui. C'est quoi? Laissons-les se taper dessus, hein. Et regarde, elles ont mis du. Le machin là, le pick-up spider gland là, le machin qui est. Ouais, ils sont en train de se battre entre elles. C'est parfait, si ça se tue, après on peut récupérer les déchets. Donc là, je récupère les buissons, les carottes, tant qu'on y est. T'as vu, regarde là, il y en a deux de glands. Tu veux pas les récupérer? Mais je peux pas, moi j'ai mon inventaire qui est plein, je peux plus rien porter là. Ah merde. Je suis en train de me balader à bout de bras un morceau de viande parce que je peux même pas le porter. Par hasard, t'as de la place pour prendre du bois ou de la queue de Grace? Bah oui, ça je peux. Tiens, et des branches. Je peux aller récupérer, moi je vais essayer de les récupérer. Par contre, j'ai pas envie de crever. Les mouches. Ah, mais il y a plein de moustiques en fait. Tu veux pas essayer de les tuer pour moi? Bah je pose ma viande par terre alors du coup. Mais je la prends moi si tu veux, hein, c'est bon. Ouais. Voilà. Mais tu vas aller faire quoi avec ça? De toute façon, il y a la nuit qui va tomber. Alors fais un feu. Je pense que ça serait mieux ouais, de se poser dans un coin. Puis. Et où on a posé nos ressources, non? What, t'es où? Ah, il y a le trou là. Tu veux le faire où le feu? Là. Ma santé mentale est à 25. Ouais, moi c'est mon appétit qui a 10, je crois. 10? Tu veux que je te passe. Tiens. Vas-y. Cadeau. Si ça peut t'aider un petit peu. Merci. Cool, green cap, ça se mange? Toi, tu peux, oui. Waouh! Ça n'a absolument rien augmenté. C'était mythique. Oh, recette berry, que... ça par contre, je peux manger. Ah, et ça me redonne de la vie en plus. Ah, c'est cool, merci. J'ai un truc de viande et 4 carottes, donc après en rentrant, on pourra faire bah, aussi. Tu peux les cuire tout ça hein, si tu veux. Ah, les berries? Ouais. Ouais, mais je préfère les garder parce que ça compte comme des légumes, non, pour la viande? Bah oui, mais bon, si maintenant on se balade et puis on a faim, bah. J'en ai 86 pour l'instant, ça va. Ouais, mais en une journée, ça sera descendu, ouais. Ouais, bon, c'est bon, j'ai compris. Monsieur a raison. Je dis ça pour toi, hein, parce que. Voilà. Oula. On est un peu dans. Hein. Oh punaise. Ouais. Araignée, à gauche. Ah oui, je vois, ouais. Tu sais que tu as une épée, t'as une lance à la main, tu peux lui taper dessus aussi. Ouais, mais je sais pas pourquoi, je préfère quand c'est toi qui tape. Ah, viens toi. Surtout que t'as la même lance que moi, donc normalement y'a pas de soucis. Ah, encore. Ah, encore. Putain, mais y'a toute la troupe là, y'en a encore une à gauche là. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on en tue une, ça attire celle du nid, donc. Ah bah forcément, et après c'est notre faute, hein. Ah non, mais vive le racisme, quoi. Tu veux que je remette un peu de feu ou pas? Non, je pense que ça suffira là. Suffira, ok. T'as perdu de la vie, toi, ou? Non, j'ai 69 de vie, donc. Bon, mon maximum de vie a descendu vu que je suis déjà mort, mais sinon j'ai aucun souci à ce niveau-là. Ok. En fait, le seul problème, c'est un peu la santé mentale. Tu m'as dit que c'était quoi les Stal Red Cap? C'est du bah, mange-y, enfin cuis-y, et puis. Ça se cuit? Ah oui. Oh vache! J'aurais jamais dû, hein. Ah, la main! Ah oui, merde. La santé mentale est en train de dégringoler, un truc de malade mental. Ah, la mienne elle est presque à la moitié là. Moi elle a 18 ma santé mentale. Toi elle a combien? Elle a combien ta santé mentale de ton côté? Moi je suis à 70 et quelques. Je commence à avoir des hallucinations, j'ai des trucs rouges sur mon écran, c'est incroyable. Quoi ce truc là? En fait, hein? Ah ouais, j'ai trouvé un mosquito sac. Un mosquito sac? Oh, je peux aller récupérer les glands de spider là qu'il y avait tout à l'heure. Ah bah profites-en alors ouais. Oh punaise, il y a des tentacules. Ah oui, fais gaffe à ça ouais. Ah, c'est pas les tentacules des marais ça? Ça c'est violent non? Ouais, les tentacules ouais. Et il y en a une à gauche là.
Elles apparaissent n'importe où ou... Oui, oui, elles peuvent apparaître n'importe où sur les marais, donc il faut faire gaffe okay. où on marche. Ah, j'ai peur, je bouge. Ma santé mentale en plus, arrête pas de... Ah. Le cri de la virilité dans toute sa splendeur. Oh, regarde, il y a un coffre. Oui, il y avait le machin pour attirer le coffre. Oh, c'est cool ça. Oh, ça aussi, il y a des rouchiers. C'était par ici que tu voulais qu'on vienne? Je sais pas. Bah, on n'a pas exploré par là, donc oui. On va dire c'était dans le bas. Et ici, il y avait toute une zone, alors pourquoi pas en profiter justement. Ah, on peut mettre des trucs dans le coffre? Oh, il y a des fleurs là-bas. Ouais, il y a des fleurs, tu peux aller ramasser pour ta santé mentale. Oh, ma santé mentale, elle augmente. Ramasser des fleurs. Que c'est joyeux, que c'est bon, que j'aime. Je suis en train de devenir fou. Et ramasser les champignons aussi, ça fait la même chose ou pas? Non, ça marche pas ça. J'ai perdu de la vie, je sais pas comment. Peut-être en bouffant un truc pas trop bon. Par contre, je propose qu'on rôde gentiment au camp. Ah, si tu veux. Parce que Parce que c'est juste l'hiver en fait. Et ah, c'est l'hiver? Ouais. Et du coup, je pense que d'ici peu. C'est quoi ces machins là? C'est des pingouins. Oh, c'est trop cool! Par contre, ils ont pas l'air gentils. Non, si, tant que tu leur fauches pas leurs œufs, ils sont gentils, mais. Vas-y, j'arrive! C'est vrai! Par contre, on a de quoi faire une deuxième pierre, justement? Justement, c'est peut-être ce qu'il va falloir commencer gentiment à essayer de faire. Parce que là, il y a l'hiver qui va tomber et il y a la cata qui va arriver. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? J'ai entendu un. Ah non, moi pas. T'es sourd, c'est pour ça. j'ai pas de pioche par contre. C'est peut-être parce que je peux ramasser si tu veux de la pierre. Ça, je peux ramasser si tu veux. Ouais, mais bon, ça on en a pas besoin pour l'instant. Ok, bah j'y pose. Ça sert pas à grand chose. Tu veux peut-être encore casser de la pierre, non? Non, on en a assez là pour faire une pierre. Une pierre. Une seconde pierre? Ouais. Ça. Bon, bah moi je te suis. Allez, maître Zepalka, nous vous suivons. Nous vous suivons jusqu'à la main. Bouton. Je me bats avec le bouton tabulation. Ouais. Tab? Ça fait quoi? Parce que normalement la carte elle est sur ce bouton là. Pourquoi toi c'est marqué 19 jours et moi 17? Parce que toi t'es mort entre temps. It's a performing search. Wow, je suis en train de me les geler. Oui bah oui. C'est pour ça que j'ai dit que ça serait une bonne idée de rentrer gentiment au camp. Ah, à l'aide. Je gèle. Oh tiens, y'a un lapin. Oui, y'a plein de lapins même. Non. Prends le piège. Pose-le là. Bon. Attends, déjà, mets du feu. Oh. Oh oui, ça fait du bien. Tiens, cadeau. Quoi ce machin? Je vais te faire à manger parce que j'aime bien te cuisiner des bons types. Oh. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un truc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce machin là que tu ouvres et en mode. C'est que ça a l'air bien tout ça, dis-moi. Mais. What? J'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Ok, je prends l'autre lapin. Mais j'ai gagné un habit. Ah bon? Et pas moi. En haut à gauche, t'as pas une icône bizarre? En haut à gauche? Non. Parce que moi, en haut à gauche, j'avais une icône chelou qui me disait que je devais m'approcher de la machine à science. Et puis si tu m'appuies dessus, tu vois en haut à gauche, j'ai une espèce de veste. Non, moi j'ai rien du tout, moi c'est démerde toi, t'es dans la merde et tu vas crever comme une merde. Bah moi j'ai reçu cette veste. Rabbit murder, c'est quoi? Ah faut tuer? C'est tuer un lapin. Pourquoi j'ai un fantôme? Nightmare fuel. Regarde ce que je viens d'obtenir, attends je t'ai mis dans le coffre. C'est tout en bas à droite, je l'ai mis. Oui bah oui, ça c'est parce que ta santé mentale elle est basse, du coup c'est ce que tu obtiens Ah putain! Il y a le machin, il est en train de me tuer! Quel machin? En fait, j'ai un fantôme vu que je deviens fou et il m'attaque! Ah, cette espèce de gros truc là? Ouais! Bah t'as plus dessus? Hein? Avec F? Attends, j'arrive! Je fous du bois dans le feu puis Ah, mais j'ai presque plus de vie par contre, je vais crever hein! Ah, attends, j'arrive! Voilà! Comment je fais pour récupérer de la vie? T'as pas les glandes d'araignée sur toi? Si! Alors prends dans le coffre t'as des cendres. Prends ça puis fais-toi de quoi te soigner. C'est quoi, c'est des haches? Des haches? Oh putain le fantôme il va me... Il était coriace celui-là.
C'est quoi? C'est ça les cendres, les haches là? Oui, ça c'est des cendres, ouais. Oh putain! Le problème c'est que si je me fais toucher, je meurs. Tu peux pas le faire pour moi? Mais moi j'ai toujours plus de place dans mon foutu inventaire. T'as les glandes, mais t'as une glande? Tiens. Ouais, et puis utilise les autres. Voilà, tiens. Waouh! Mais non, je vais pas bouffer ça. Oh, quel connerie cet inventaire. Si je me fais toucher, je suis mort. Hein. Je vais mourir. Bah oui, mais. Dépêche-toi d'y faire! Ouais, mais on a pas assez de sang de toute façon. Ah, bon, bah je suis mort alors. Utilise ces foutus machins. Mais arrête de courir partout! Ah oui, mais je peux pas, y'a un truc qui va me tuer! Ah bah là, je le vois pas donc. Ah bah je suis mort. Ah, cool! J'en ai marre! Bon bah voilà, comme ça au moins c'est fait. Va te faire voir! Bon bah du coup, je vais remettre les cendres là-dedans puis. Et puis on est bon, bah je vais refaire l'objet pour qui va me refaire perdre de la vie, c'est ça? Où est-ce qu'il était ce truc là? Je pense qu'on est bien reparti pour faire une nouvelle partie, franchement. Où est-ce que t'es là? Je suis là. Tiens. Oh, tu peux le refaire? Ah bah oui, je peux le refaire, mais c'est juste que ça m'enlève de la vie à chaque fois quoi. Ah, c'est cool. Ma vie max s'est passée à rien du tout. Oui, moi aussi. Ah, par contre, je peux tout récupérer, c'est cool. Bah oui, vu que t'es mort, je suis dans le camp, bah c'est. Ouais, donnez-moi tout, je veux tout. Ah oui, il faudrait que je replante les trucs. J'ai pas pigé ce que c'était le. Ah, j'ai tué un lapin comme ça, direct devant moi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Avec quelle violence. Le lapin, il a même pas cherché à fuir, il s'est dit. Il est déjà mort. Laissons-le me tuer. Voilà, j'ai cook. J'ai fait cook. Par contre, j'ai pas intérêt de me refaire. Tuer une nouvelle fois, sinon ouais, ma vie max mal. Elle va passer à 10. Bah écoute, moi elle a bien baissé là. Ta vie max? Ouais. Elle passe à combien? Bah je crois que j'ai perdu 50 points de vie. Ah bah moi ça doit être pareil hein. Non, j'ai perdu 40. On peut pas enlever les squelettes? Bah non, du coup c'est. On peut pas y déterrer. C'est un souvenir de. Enlève-moi ça! De ta mort glorieuse. Oh, fais chier. Nightmare Fuel, je foire tout ce que je fais. C'est pas drôle. Je suis tout triste, tout net. Bon bah oh, du coup, va voir à droite s'il n'y a pas des lapins par hasard. Des lapins? À droite. Je vais à gauche alors que tu m'as dit à droite. C'est cool. Ouais, tu peux prendre droite, la pierre c'est... ou pas? Oui, prends ce truc. Ah oui, puis tu peux prendre la pierre aussi. Je vais essayer de voir si je peux en faire une autre. J'ai une pierre. Par contre, il n'y a pas des lapins. En hiver, il n'y a pas de lapins. Si, si. Oh, si, il y en a. C'est cool. Oh bah désolé petit lapin, moi je vais te tuer. Hein. C'est pas que je ne t'aime pas, c'est juste que nos destins ont été confrontés au mauvais moment, au mauvais endroit et... Yaaaaah! Et un lapin de mort! Tu m'as pas Quoi? Tu m'aurais pas par hasard raflé ma pioche? Si. Bon bah t'en fais pas, quand tu rentreras au camp, si tu pouvais me la reposer par terre. De toute manière, t'inquiète pas, il y a pas 10 000 lapins alors. Enfin j'en ai eu déjà deux. C'est juste pour pouvoir me faire une pierre de chaleur là. Ouais. J'arrive. Non, mais c'est bon, c'est pas urgent. Si, c'est urgent. J'ai décrété que c'était l'état d'urgence dans notre pays. Dans le pays de Don't Starve. Oh, on peut ramasser des fleurs aussi à côté. Enfin, les fleurs que t'avais mis rien que pour les abeilles. Oui, donc je t'ai mis où la pioche? Ouais, mais c'est ça, mais les abeilles ça marche pas du tout, je crois. Pourquoi c'est. Je t'ai mis la pioche dans le coffre. Ok, ouais. T'as juste à la récupérer. En attendant, ce que je voulais faire, c'était replanter des graines dans notre potager. Parce que ce serait un petit peu ballot que nous n'ayons pas de quoi en faire. Ah bah oui. Mais de toute façon, en hiver, ça pousse pas. Ah, ok. Ça, c'était très utile. Et les baies, ça pousse ou pas? T'as dit qu'elle était où, la pioche? Dans le coffre. Ah ok, merci. Tiens, je remets les trucs à baies. Ah oui, bonne idée. Très, très utile, la manière dont je l'ai fait. Bon, attends. Alors, là, voilà... Ah, par contre, après, faut faire un truc, non? C'était quoi qu'il fallait faire? Fallait mettre de l'engrais, il y avait pas une histoire dans le genre? Oui, faut mettre de la bouse. Ah oui, la bouse de vache, la bouse de meule. Il va falloir aller en chercher, ouais. Oh, c'est quoi ça? Pig stuff? C'est quoi, c'est une tomate farcie? Non, c'est ouais, une... je peux pas y manger, donc prends-y seulement. Ok, bon bah moi j'y mange, hein. C'est bon tout ça. Si tu veux, j'ai 3 trucs de viande. Stale roast berry. Oh oui, vas-y mange. Oh oui, ma vie! It is almost completed! Tu fais bien le robot, bravo! T'as vu? Toute ma vie, je me suis entraîné pour ces jours-là. Oh, il y a de la viande, tiens, prends. Moi, je vais. T'as fait quoi là? Bah, j'ai pris la viande. Ah oui, d'accord. Tiens.
J'ai un truc de berry. Dragon fruit, c'est quoi? Ça, c'est vachement bien. Le problème, c'est qu'on n'a pas de cage pour oiseaux. Parce que ça, ça permet de faire une recette. Bon, moi, je pourrais pas y la manger. Il y a que toi qui peux la manger, mais ça redonne pratiquement toute ta vie et ta santé mentale. Donc, ok. Ces trucs-là, ils sont super bien. Le problème, c'est qu'il faut nous faire une cage pour les oiseaux pour ça. Oh, il y a un dindon. Alors, attends. Faut pas le tuer. Tu les as pas utilisés, les fruits, hein? Le dragon de fruit? Ouais. Non, je te le mets dans le coffre, comme ça je ferai pas de conneries avec. D'accord, donc du coup je vais essayer de... T'as vu la pierre comme elle est toute grosse? Punaise, mais c'est où ce truc? Par contre j'ai l'impression que j'ai tellement plus rien dans mon inventaire, c'est incroyable. Bon, je vais reprendre la pierre. Oh, je me balade. Oh, le piaf! Pas touche à mes graines. Ah bah, donc ça sert plus à rien en fait de laisser les graines quoi. Bah tu peux les planter, mais c'est vrai que pour l'instant là ça va plus servir pendant un temps. Ça va juste servir de nourriture au piaf quoi. Un raton laveur. Est-ce qu'il y a du bois? Ouais, on a encore du bois. En fait, je sais pas trop quoi faire encore. Bah écoute, si tu pouvais... Ah là, voilà. Ah, mais t'as des graines, donc. Non, j'en ai plus. En fait, j'en ai planté deux, là. Ah, t'as plus de graines du tout? Si, en fait, si j'en avais mis dans le coffre, il y en a 18. Ah bah parfait, alors. Ok. Si tu les veux. Ouais. Du coup, on va faire ça. Est-ce que tu aurais pas ça de la soie sur toi? De la soie? Ouais. Non. Non. Pas aux dernières nouvelles, malheureusement. Donc il faudra les tuer des... J'ai un dard, Stinger, si je me trompe pas. Il faudra les tuer des araignées, du coup. Non, désolé, mon ami. Je n'ai rien pour toi, je ne sers à rien. Oh, c'est trop cool, c'est ça la cage à oiseaux? Ouais. Oh, il y a un lapin! Parce que maintenant, pour pouvoir attraper les oiseaux, il va nous falloir de la soie. J'ai tué un lapin. Je suis cruel. Ah ouais, c'est... T'as vu ça? Tu vas te faire attaquer par le méchant qui veut venger les lapins. Oh, le loup-garou. En plus, il ressemble à un loup-garou. Ouais, c'est... Loup, où es-tu? Oh, j'en ai un deuxième. Moi, les lapins, comparé à toi, j'ai de la chance. Hein. Allez, c'est reparti pour un tour. J'ai deux lapins. Oh. Là, il y a un objet qui permet de regagner de la santé mentale max que t'as perdu en mourant. Ah, des pingouins! T'as dit que t'avais des stingers, là? J'en ai un seul. Ok, bah du coup, pourquoi ça permettrait, de, glace ça permettrait de faire un de ces objets. Il y a plein de glace autour de moi. Et oui, j'ai un stinger, tu veux? Non, pour l'instant, non, parce qu'il nous faudra d'autres trucs, mais ça ne... Mais justement, donc il y aura de moyens de pouvoir refaire, bah de, justement, de pouvoir soigner notre vie qu'on a perdue. Ok, bah tiens, je te le mets dans le coffre. J'ai de quoi faire encore de la nourriture, mais en fait, j'ai 4 de viande, mais je préfère utiliser des légumes, quoi. On peut pas avoir des légumes en hiver? Bah les baies, il me semble que ça pousse. Et faudrait de la bouse aussi. Ouais. Dresse. Ouais bon, le chapeau qui sert à rien du tout. Je sais même pas pourquoi je le garde sur moi, parce qu'il perd en durabilité pour rien. Je sais que je suis beau, mais il y a des limites quoi. T'as vu que ça va faire nuit quoi. Oui, je sais. T'es parti où toi? Je suis en train de me balader. Mais reste près du camp, toi. Ouais, t'inquiète, mec. Là, y a aucun problème. Merde. Je ne bouge pas. Je suis comme la pierre. T'as mis du feu, j'espère. Quoi? T'as des armes et tout? Oui, j'ai une arme. Et okay. Y a les foutus mains de merde qui me cassent les houilles. Oh, punaise. Help me. Comment je mets du feu? Non! Comment je fais du feu? Comment je pose? C'est clic droit dans le feu ou pas? Non, tu ramasses l'objet, tu cliques sur l'objet puis tu le mets dans le feu. Merde. Voilà, merci. Oh. Bon. Bon, c'est... Ça c'est chiant, c'est qu'en fait quand tu cliques par terre, ça drop l'objet quoi. Je trouve ça un peu... Oui, c'est un peu mal foutu, ça j'avoue. Mais... Parce que quand t'essayes de mettre dans le feu, bah, plutôt que de t'aider, ça te fout dans la merde. Et y a les mains qui arrêtent pas de m'embêter. Elles sont méchantes, reviens-moi vite mon amour. Ah. Écoute, moi je suis en train de me battre avec des buffles donc... Avec des buffles? Pour avoir leur bouse ou quoi? Non, c'est pas pour avoir leur bouse. Bon enfin, par contre, t'as vu à combien de temps on en est? Hein? T'as pas regardé le timing toi hein? Si on est à... Bah on a dépassé la demi-heure, on va s'arrêter là quoi. Voilà, on attend le jour. Ouais. J'attends que ces foutus mains me laissent tranquille. Mais elles sont reloues. Ah oui non, ça c'est super chiant ces trucs. Oh c'est bon.
Là, elles sont coriaces, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je reviens au camp avec mon trophée. Tu m'as laissé tout seul, traître. Ouais, mais tiens, je te ramène un cadeau. C'est quoi le cadeau? Je le fous dans le coffre. Voilà. J'aime les cadeaux. Attends. Alors, je veux les cadeaux avant la fin de l'épisode. C'est quoi le cadeau? C'est le machin de quoi? Buffalo Wheel, c'est ça? Ouais. Ça va nous permettre de faire des vêtements chauds. Ah, c'est pas pour. Ah, je pensais que c'était de la boue. Ah non, c'est pas la boue, ça. C'est. Ah, c'est non, de la... ouais. Le pelage. Ah, mais t'as été les tuer? Non, je les ai pas tués, je les ai rasés. Et du coup, si tu vas voir, maintenant ils sont tout nus et puis ils ont une tête, de détresse. Mais ils peuvent pas t'attaquer par contre? Si, je vais me battre avec pour les esquiver pour s'en crever, mais. D'accord. Bon, bah du coup, on peut s'arrêter là? Ouais. Avec bien entendu la gamer qui sert énormément dans. Je me sens tellement inutile au possible. Mon dieu. Bon, bah en attendant, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Une deuxième mort tellement pathétique, heureusement que. C'est pas le cas, est là pour me sauver la vie, sinon je pense que on en serait déjà à la 10e partie. mais non, on a encore assez de points de vie. Moi, je fais mon petit au revoir et je laisse comme d'habitude Zebalga. Donc sur ça, les amis, bah, moi je vous dis à la prochaine. Ciao à toutes et à tous. Bah, The Palkia va vous dire exactement la même chose. Oula, sous une chute de neige qui commence à devenir un peu angoissante. Je vais aussi vous dire à la prochaine. Salut à toutes et à tous.